Je m'excuse à l'avance pour les mots que je vais dire. À un moment donné, faut que ça sorte. Pour moi, c'est une sorte de délivrance. Tout ce que j'ai au fond de moi, là, faut que ça sorte. On va remettre les choses au clair. On pourra jamais faire la paix tant qu'on fera la guerre. Il y aura toujours quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. On peut pas imposer ses idées à ceux qui ont les leurs. Genre ceux qui sont pas d'accord, faut qu'ils meurent. Notre propre population se divise, rien que dans nos familles et puis dans nos amis. On sait même plus s'écouter les uns les autres. Si l'un n'est pas d'accord, c'est que l'autre est en faute. Les religieux se battent pour un dieu pacifiste, qu'ils se tiennent un peu au lieu d'être anarchistes. On associe les méchants avec tout plein d'innocents. Combien n'ayant rien fait se retrouvent sous bombardement. Et j'en ai marre de ce gouvernement. Nous brosser dans le sens du poil, c'est pas ce que j'attends. À chaque fois c'est pareil, j'ai rien contre ce président. Je dis juste qu'ils ne sont jamais transparents. Sacrée démocratie, mais bon, il faut l'admettre. Y'a un sacré écart entre nous et l'autre bout de la planète. On peut pas vraiment se plaindre de notre mode de vie. Mais au lieu de la paix, on préfère les conflits. On est tous le pauvre de quelqu'un. Sinon, y'aurait pas de riches. Au lieu d'être jaloux, aide tes prochains. Parce que là, t'es juste égoïste. Société égocentrique et narcissique. Consommation rapide dans le cul et dans le fric. Dans l'amour et dans la zic. On ne sait plus rien apprécier. Quand je pense que notre monde ne connaîtra jamais la paix. Sécurité, stabilité. Ces notions n'ont jamais vraiment existé. Le réchauffement climatique a ses effets. Certains ne savent plus réfléchir. Tous devant la télé, tous devant leur Facebook. Tiens, elle a des beaux boobs. Oh, et un beau fessier. J'aimerais bien la baie. Je plains ce monde de télé-réalité et dire qu'on est l'espèce la plus développée. Enfin, ça c'est ce que je croyais. À part de ma copine et ma famille, je préfère me méfier. Ce monde est sauvage, ce monde est tout sauf sage. Tu tombes toujours de haut quand tu découvres les vrais visages. Et j'en ai gros sur le cœur, j'ai pas encore fini là. J'écris, je suis en pleurs. Pendant que j'enregistre, il doit être 2 heures. Je dors pas cette nuit, je me méfie des prédateurs. L'important c'est l'essentiel et ça c'est le principal. Tu vois ce genre de phrase ça fait rire et c'est normal. Mais c'est ce genre de truc qu'ils nous racontent tout le temps. Tous ces hommes en costard cravate, évidemment. Tous ceux qui décident sont jamais sur le terrain. Les politiques connaissent même pas le prix du pain. Les flics sont des gens bien mais ils sont traités comme des chiens. De toute façon plus t'es quelqu'un de bien, plus tu te salis les mains. Les plus grosses fortunes du monde sont des tueurs. Les spécialistes du tabac se branlent pendant que les autres meurent. Eh les gars, venez, on va créer un produit addictif et en plus qui tue. Parce qu'on est des fils de pute. Et là je pèse mes mots. On va créer un manque qui n'existait même pas. Comme ça, une fois qu'ils auront fumé, ils voudront que faire ça. L'humain est tellement bête et égoïste. Pendant ce temps-là, on fait le signe peace. On fait le signe de paix et se sent même y croire. On se ment à soi-même en disant arrête de broyer du noir. Tiens, en parlant de la couleur, le racisme existe encore. J'ose même pas parler de l'homophobie, la tolérance c'est mort. On sait sur qui compter quand vient la fin du monde. Quand l'apocalypse arrivera, on réfléchira pas en fait. On volera dans les caddies, on bousculera les mamies. On prendra du papier cul, des paquets de pâtes et du riz.